ça va? Comment ça va? Comment ça va? Je travaille beaucoup, hein. Pomvani, elle travaille, mais genre beaucoup. La dernière fois, j'ai fait quoi? J'ai fait 6 jours d'affilée, un jour de repos, 5 jours d'affilée. Ça commence à piquer beaucoup. Je vais aller au concert de Kyary Pamio Pamio. Comme ça. C'est le 8 juin, mais c'est à 20h. Donc j'ai pas le train pour repartir, tu vois. Ma cousine habite pas loin. Du coup, j'aimerais bien demander à ma cousine si je peux dormir dans son appartement juste pour la nuit, quoi. Bien sûr, Rosalina, ça sera le samedi. Je sais pas, en fait, théoriquement, c'est Bibi qui vient le samedi à Japan Expo tous les ans. Donc je me suis calée sur ça, en fait. Du coup, TwitchCon, c'est un peu non, en fait. Puis même, en fait, ils disent, oui, vous rencontrez votre communauté à la TwitchCon. Je me vois pas demander aux gens de payer 75 € pour me voir, en fait. C'est horrible. Déjà que Japan Expo, 30 €, ça commence à faire un peu cher. Il me semble que les billets pour le samedi, ils sont à 27 € actuellement. Ils sont à 27 € jusqu'au 9 avril. 9 avril, 9 juillet, pardon. Alors. Ok. Pas ok. Ah, c'est vrai qu'il faut zoomer comme ça pour avoir tout. J'ai déjà fait tous les Korogus qui sont par là. Bon, là, ça va être la partie la plus fun du live. La partie où je regarde pour placer les points des Korogus. La meilleure partie du live. C'est vraiment la meilleure partie du live, littéralement. Est-ce que je fais le canyon ou pas? Alors, j'ai fait tout sauf les DLC que j'ai pas achetés, Maëla, et les Korogus. Voilà. Voilà ce qui me manque sur le jeu. Quand même, un petit peu, j'ai envie de te dire. Effectivement. Les Korogus, c'est quoi? 80% du jeu? Alors, il y en a un là. Voilà, on a placé notre premier point. J'espère que vous êtes fiers. Il y en a un par là. On va se concentrer sur cette partie. Et ce qui est marrant aussi, c'est que j'enregistre pas sur internet ou sur la carte interactive ce que je fais. Donc si à un moment donné, à la fin, il m'en reste un, bah je ne saurais pas où il est. Tout simplement. Parce que c'est fun, je trouve. T'as tout ce qu'il a fait. Je trouve que c'est fun. C'est trop fun. Celui-là, je l'ai eu, celui-là, je l'ai pas eu. Bon, je note quand même ceux du canyon, quand même. À la limonade. Quoi? Les céréales à la limonade? What the fuck, les amis? J'avoue, j'aime bien faire des mélanges un peu bizarres le matin. Ce matin, vous savez ce que j'ai mangé? J'ai pris un carré de chocolat à la menthe. J'ai mangé du. Comment ça s'appelle? Du chaussée aux moines. J'ai remangé un carré de chocolat à la menthe et j'ai pris un Benko. Puis lui dans le céréale avec les machins, c'est pas bon. Déjà le chocolat à la menthe. Je sais qu'il y a personne qui aime le chocolat à la menthe. Personne n'aime les trucs menthe chocolat. On me critique, on me dit ouais, t'es folle et tout. Folle, non, c'est un grand mot. C'est un grand mot quand même. Grand mot qui a 5 lettres. Attends. Folle. F-O-L-L-E. Folle. Ouais, c'est ça, 5 lettres. Folle. Folle. Non, c'est les gens les plus spéciaux qui aiment bien le chocolat à la menthe. Je suis spéciale. Mais je sais. Ah, Maëla, t'aimes bien aussi. Ça me rassure. Ça me rassure. Les glaçons au chocolat. Ouais. Le dos prodige, ça vaut le coup. Ouais. Mais pareil, en fait, j'ai pas le temps. J'ai hésité à un moment donné à prendre le DLC, mais. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai envie, mais j'ai pas le temps. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Faut que je gagne des sous pour le Japon. J'ai plus le temps. Littéralement plus de temps. Ok. Celui-là, on l'a fait. D'accord. Très bien. Le pont. Le pont. L'Avignon. On y danse. On y danse. Sur le pont de Tahabanta. On y danse tous en rond. Oui. Camembert, confiture. Non, pas quand même. Mais j'aime bien en fait le salé. Donc ça me dérange pas de manger du frofro directement le matin. Je pense au Japon, ce qui va manquer, ça va être le fromage. Je sais qu'il y a du kiri, mais je crois qu'ils vendent le kiri genre 6 € la barquette. Oh. Bon. Bon, pire, tiens, je t'amène tes chaussures, du fromage. T'as pas le droit, malheureusement. En plus, ouais, mais il va un peu tourner, je pense, dans la soute de l'avion. Pendant 14 heures à 10 000, attends, à 10 000 mètres d'altitude. Qu'est-ce que je fais? J'ai ma valise, je la fais rouler, j'ai le fromage sur moi. Sur mon corps, enfin moi, c'est pas en métal, ça sonnera pas. Qu'est-ce que je fais? Je passe le particule, je me balade,
Je vais aux toilettes, je vais vite faire le fromage dans la petite glacière que j'aurais glissée dans. Et du coup, avec les pains de glace. Il est complètement fou. Complètement malade. Par contre, il va falloir que tu me files un frigo dès qu'on rentre. Ouais. Oh. Qu'est-ce qu'on se marre. La raclette l'hiver, oh là là. Mais il n'y a pas des box de fromage que tu peux te faire livrer quelque part? Arrête, ça va me coûter 1000 balles. Après, le conteneur de fromage. Après, si je te fais passer un fromage, on va dire qu'au début du voyage, il sera frais, personne ne saura qu'il est là, mais en sortant du bagage, sortant de l'avion, on sait qu'il est là. Donc vite que je me taille. Oui, toute seule, Tao. Enfin, toute seule, oui, au départ. Enfin, Quentin viendra squatter, genre, tous les 3 mois, il arrivera, évidemment. Oui. Oui, non, au moins une fois, il viendra. Oui. Une fois pendant 3 semaines? 2 semaines? Minimum 2 semaines. Maximum tout le temps, en fait. En vrai, je vais habiter un an là-bas, je crois. Let's go. Bah, tu mets ton appart en Airbnb, comme ça te fait quand même des sous. Ici? Ouais. Je peux pas. Pourquoi? J'ai pas le droit au Airbnb ou au machin comme ça ici. Qui c'est qui a dit ça? Le règlement qui est en bas. Ils sont si désagréables, ces gens. Ah oui, complètement. Si désagréables. Je suis trop nulle en anglais. En vrai, je suis sûre, même si t'as pas l'anglais, Maëla, tu peux à peu près t'en sortir. Oui. Le fameux langage universel des gestes de la main. Manger, boire. Si tu vas vraiment dans les trucs de base, vraiment ultra basiques, je pense que c'est faisable, Maëla. Je pense. Je regarde, excusez-moi, hein, j'arrête pas de regarder sur l'écran à côté, mais je place. Il y a des trucs que j'avais trouvé, hein. Enfin des trucs, des korogus. Mais en vrai, oui, ça aide parce qu'à Tokyo, il y a vraiment la moitié, enfin quasiment tous les panneaux sont écrits en anglais aussi. Mais de base, je voulais aller à Nagoya parce que justement, je voulais pas que tout soit en anglais. Mais voilà quoi. Mais c'est trop compliqué en fait de trouver un appartement. De te faire accepter dans un appartement, de louer un appartement quand t'es étranger. Il y a de la discrimination à l'étranger, en fait. Même si t'es mignonne, hein, même si t'es mignonne et tout, tu fais « oui, je suis mignonne », ça marche pas. Hein. Ça marche juste pas. Et du coup, bah, j'ai plutôt pris ce que l'école me proposait, enfin ce que l'organisme me proposait. En espérant que ça soit positif, hein, parce que je vais avoir la réponse définitive si j'ai le logement seulement 2 mois avant de partir. Let's go! Ouais. Ça va bien, hein. Look at me, I'm kawaii! Eh, mite, ne, mite, mite! Kawaii des! Arigato gozai. Arigato gozaimasu. Ubu? Pepu-chan. Oh non, pitié. Pitié. Ok. Tu vas tester le parc de Nintendo? Oui, je pense. Je pense que je ferai un petit voyage vers Osaka. Nagoya, parce que je veux voir la tombe de Yukiko, évidemment. Tu vas faire quoi, toi, au Japon, en premier? Je vais voir une tombe. Ah, d'accord. Let's go. Ok, d'accord. Ok. Non. Puis aussi, je vais aller voir les tombes de ceux qui faisaient partie du groupe X Japan que j'écoute en ce moment. J'en ai 2 à aller voir. Let's go, trop bien. qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Bon, est-ce que... Non, en vrai, ça fait pas beaucoup. Mais là, j'ai l'impression que... Si je vais sur cette partie-là... Genre, là... Mais oui, j'ai pas noté, là. Je suis sûre je vais oublier des trucs, hein. C'est sûr et certain. C'est full sûr, en fait. Full sûr. Y a pas des applis spéciales pour ça? Oui, oui, mais j'ai la flemme d'enregistrer, en fait. Je pourrais m'en prendre qu'à moi-même, si je... Si bon, m'en manque un. Tu feras ça quand il te restera 10 et que tu sauras jamais aussi. Oui, voilà. Do you know les gilets jaunes, poubelle Macron, Moulin Rouge, Champs-Élysées? Je pense que c'est surtout Paris. Les Japonais, je pense qu'ils connaissent pas autre chose que Paris. Enfin, c'est très rare. Joe Dassin, les Champs-Élysées. Ça, une chanson qui a tous les karaokés, je crois, c'est La Vie en Rose, Edith Piaf, et les Champs-Élysées de Joe Dassin. Do you know Joe Dassin?
En plus, Jodassin, je crois qu'il est même pas français de base, je crois qu'il est israélien. Voilà. C'était le point culture. Il doit aussi y avoir du Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, non. Mireille Mathieu, c'est plutôt les pays de l'Est. Hein. Non, non, plutôt Edith Piaf, Jodassin. Est-ce que j'ai fait tous les cours au goût, là? J'ai l'impression que j'en loupe plein, mais... J'aime bien, on a la... Les bois perdus, là, de... des cours au goût, là. Go. Ok. Évidemment, là. Oh purée, celui-là, il est archi loin. Oula. Alors, c'est quoi le trait blanc, là? Bah, en fait, c'est faut que tu trouves un point de départ et faut que tu voles jusqu'à l'arrivée en un temps record. Bah, let's go. Oula. C'est un peu loin, regardez, attendez. Genre, l'arrivée, c'est là, et le début, c'est... là. C'est ultra loin. Mais je sais pas dans quel sens, en fait. C'est... Oh, mais là, j'y suis quasiment jamais allée. Cette partie-là, c'est celle où j'ai le moins exploré, là. Alors, tu peux le voir, là. Là, j'y suis allée, parce qu'il fallait y aller, mais genre, toute cette partie-là... C'est les montagnes gelées, ça, non? Ouais, c'est ça. Bon, je vais pas aller plus haut que ça. On a fait un peu la zone des piafs, peut-être là aussi, en vrai. Tiens, j'ai vu dans une vidéo qu'il y avait des cadavres de baleines dans le jeu. Oui. Bizarre. 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 Bizarre l'ambiance. Je mets aux deux endroits. Ça, pareil, c'est un truc où il faut voler. J'ai du mal... Attendez. Non, c'est pas là. Si ? Non ? Non, c'est pas là. C'était pas celui-là. Pas facile à se repérer. Là. Et le bout où il part, c'est là. Ok. Les fossiles de baleine, ouais. Avec une carte interactive, ouais. C'est ce que je fais, en fait. Là, j'ai la carte interactive, je les note, mais je les valide pas, en fait, dessus. Alors que je devrais... Je sais. Don't judge me. De toute façon, est-ce que je vais réussir à tous les faire avant la sortie du nouveau? Je pense pas. J'aimerais bien, hein, mais... Je crois que ça ne va pas être très faisable. Celui-là, je l'ai fait. Ok, celui-là, là. C'est ça? Ouais, là. Ok, on va pas aller plus haut que ça. Au niveau du petit dada. Du petit cheval. Là, il y en a un. Lui, je l'ai noté. Lui aussi. Si on descend, là, il y en a trois. Un, deux, trois. J'en ai déjà eu deux. Par là, il y en a un. Au milieu, il y en a un. Ok, celui-là, je ne l'ai pas loupé. Si on descend, il y a une sorte de cratère. Ouais, validé, là. Là, ok. Ok. Ça vole, c'est par là. Là, il y en a deux. Ok. Bon, ça m'a l'air d'être à peu près faisable. On va essayer de faire ça en live aujourd'hui. Je commence par où? Ça, c'est la question. Les pignoches, là, avec les feuilles. Les pignoches? Les tampons, les symboles. Oui. Faut que tu les enlèves à la main? Oui, je les enlève à la main. Ça s'enlève pas quand t'arrives sur le point exact? Non, en fait, je mets là pour me dire oui, il est par là, je le trouve, ça fait la noix de Korogu sur la carte et après j'enlève le tampon. D'accord. C'est plus une contrainte. Moi, je m'imposais un rythme genre de 30 par jour pour finir. Au bout d'un moment, j'en avais limite marre d'allumer le jeu, c'est vrai. Ah oui, aussi, je ne sais pas c'est quoi la récompense à la fin des Korogu. No spoil. C'est le seul truc du jeu que je ne sais pas encore. Donc, no spoil. Je suis où, là? Je suis là. Donc, il va falloir tomber dans un trou. Il est où le trou? Là? Et on dirait pas que c'est un truc de Korogu, ça. Hein. Attendez, je sais plus comment on fait pour courir. Ah oui. Voilà. Ah oui! Hi Chris! I hope you're doing well. We're doing the Korogus today. Attends. On se prend pour quoi là?
suis dans le babouin là. Calmez la. Pourquoi il fait le bruit d'une porte qui grince? Le bruit d'une porte qui grince. Oh non, il est parti si loin. C'est bon. Ouais, mais il faut que je ramasse des objets là pour faire des crafts. Enfin, des crafts. Améliorer les objets. Filming? Filming what? Do you have a new job? Ah mais c'était pas ce poteau là en fait. C'était celui-là. C'était ce poteau là. Oh oh. Ok. C'est bon. Tout à l'heure j'ai eu un follow. Arstuff, merci beaucoup. Je t'ai pas remercié. Enfin, je vous ai pas remercié. Merci beaucoup. C'est gentil. Ah oui, et puis attendez, auto-promo. J'ai sorti une vidéo hier sur Animal Crossing pour changer. C'est sur la fête de Pâques d'Animal Crossing, oui. Because I have devoirs. Pas de soucis, Rosalina, merci beaucoup d'être passée. Bon courage pour tes devoirs. Et profite encore de tes vacances avant de reprendre les cours. Voilà. C'est tout ce que je te souhaite, c'est de te reposer. Ce soir, on mange Memphis. J'ai trop hâte. Vous connaissez Memphis? La chaîne de restaurant un peu années 50? J'ai trop hâte. J'espère qu'on sera bien servi déjà. J'espère qu'on sera pas près de la porte. Et j'espère que ce sera très bon. Pas sous une clim? Pas sous une clim non plus. Ouais, tu peux aller là-haut. Non, là-haut, c'est bien. Là-haut, c'est bien. C'est archi bien. C'est cocooning. J'ai peur qu'on se retrouve à côté de... Non, théoriquement... Il me semble que c'est que des deux là-haut, non? Non, t'as des quatre. Des quatre. T'as les deux qui sont contre le mur et contre le bord du balcon, c'est des quatre. On va rouler en bas des marches à la fin. T'entends. Ouais, attends. Mais généralement, est-ce que je disais à Quentin, lorsqu'on mange au Memphis ou à des restaurants, il y a des burgers, on ressort mais on est le bide éclaté, vraiment. En fait, je sais pas si je vais prendre des burgers directement, si je vais prendre plein de petits trucs. Oui, plein de petits trucs en fait. J'arrive pas à voir où je suis. C'est quoi ça? Je suis là, ok. Ça, je les ai fait ou pas du coup? Non. C'est quoi celui-là? Je triche un peu, hein, je regarde comment trouver le machin. Between the pillars. The pillars. Ouais, de toute façon, faut aller en bas. C'est parti! Attendez, stop. On est où, là? Y'a pas le dragon? Non. Ce qui me manque aussi dans ce jeu, c'est les genre cornes, griffes de Rohrdrak, dents de Rohrdrak, je crois que ça n'existe pas. Mais il manque plein de choses comme ça, en fait, pour améliorer les tenues. Oh, j'ai failli oublier le bouton. Ok, let's go. Oh, ouais. Laissez-moi tranquille. Leave me alone. C'est pas grave. Leave me alone. Mais arrête. Et merci pour tes GG, Tao, c'est gentil. J'avoue là, enfin je vous avoue, j'ai filmé une nouvelle partie de Animal Crossing, oui, avant de faire le live. Parce qu'en ce moment, je peux pas vraiment faire des... J'arrive pas à parler. C'est dur hein, de se concentrer et de faire plein de choses en même temps. C'est dur de faire des choses. J'ai pas trop le temps avec mon travail, j'ai pas le temps de... faire beaucoup de création de contenu et du coup c'est plus facile pour moi d'enregistrer des parties d'Animal Crossing plutôt que faire de la création quoi. Personne t'en voudra.
Ouais, j'essaye de quand même être régulière. Oula. Mais difficile, difficile en ce moment. J'ai aussi un magazine que j'avais acheté à la Japan Expo de 2015. Oui, tu te rappelles de ce magazine? Oui, ouais. Arrête. Si, si, je me rappelle de ce magazine. Des fois, je te parle des trucs il y a une semaine, t'es là. T'en avais voulu un autre, mais par concours de circonstances, t'y retournais, il n'y avait plus le magazine sur le stand et du coup, t'en prenais l'autre. Oh merde. Pourquoi tu... C'est trop marrant, des trucs d'il y a une semaine, tu te rappelles plus, mais par contre, des trucs d'il y a genre... C'est doux, là. C'était en 2015. Attends, c'est en 2015 que tu en y as été? Ça fait 8 ans. J'y suis allé en 3e pour la première fois, toi tu... Félicitations à Thomas Niard, non, bravo, vous avez découvert pour la première fois l'alerte des 1 an des anniversaires. Bravo, 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 merci à Thomas Niard. 12 mois, tu te rends compte, Ato? 12 mois, 1 an. Et coucou Piekalina, merci beaucoup pour ton soutien. 1 an à Thomas Niard. Je te souhaite bon courage pour le déménagement, en tout cas, et t'en veux pas si tu peux pas stream. Surtout, prends soin de toi. Merci beaucoup. Merci, j'espère que l'alerte vous a plu. C'était Lazy Town. Ah, faut savoir que j'ai été fan de Lazy Town à un moment donné. Je passais mes après-midi dans mon lit à regarder des épisodes sur YouTube de Lazy Town, quoi. Littéralement. Quelques consoles sont dans leur carton. Surtout, protège bien les consoles. Enfin, je pense que tu vas le faire, hein, évidemment. Mais c'est si vite perdu. Ah oui, puis fais gaffe au carton. Hein. Un carton de déménagement, c'est si vite perdu. Ah oui, si, je suis contente que ma plante, elle a fait un bébé. Alors, j'ai deux plantes. J'ai une plante, tu sais, mon palmier. Ouais. Ça y a pas plus que je change de peau. Il est en train de faner. J'ai peur de le perdre. Voilà. Par contre, l'autre plante, la spider plant, elle a fait littéralement un bébé. D'accord. Bah, merci. Et du coup, bah là, je les arrose depuis 2 jours. J'ai même remis de l'eau dans mon petit piche-piche. Pour les... Parce que je sais qu'elles aiment bien faire un petit peu d'eau avec le piche-piche. Piche-piche. Il y a du vent. Quand il y a du vent, ça veut dire qu'il y a le dragon. Mais qu'est-ce que tu fais, lâche? Non, il pleut. Ah si! Le dragon! Je sais plus ce qu'il me fallait. Il me faut quelque chose. Je sais plus si c'est une griffe. Quoi? Je suis archi loin. Je vais rien toucher là, c'est pas possible. Mais tu peux pas le convaincre en fait. Merci pour ton prime, mon Sylvain. Merci beaucoup. C'est très gentil pour ton soutien. N'oubliez pas qu'avec Prime, si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez le linker avec Twitch et avoir un abonnement gratuit. Voilà, vous n'avez rien à payer en plus, c'est incroyable. Merci mon Sylvain, j'espère que tu vas bien, je sais pas si t'es en vacances. Mais voilà, t'as vu de temps en temps je like tes TikTok, c'est sympa. et voilà, j'espère que tu fais de la musique aussi en ce moment, Sylvain. Sylvain est un musicien. Wow. Ça rime, mais c'est pas voulu. Musicien. Musylvain? Non. Non. Oui, tout va bien, tant mieux alors. Ça va aussi, Piekalina, merci. J'espère que ça va toujours en Normandie. Malgré que tu sois plus dans les montagnes, Piekalina. Cherche du travail. J'espère que tu as trouvé quelque chose, et en plus quelque chose de bien. C'est important. C'est important. Parce que se lever pour se dire j'ai pas envie d'y aller, c'est nul. Ouais, ça veut dire que c'est pas bon. C'est pas bon. C'est complètement nul. Alors, trouvez quelque chose qui vous plaît. Je suis coincée. Je suis dans un trou. Je suis littéralement dans un trou. Tout le monde est normal ici ou quoi? Oui, c'est un peu la vibe.
Non. Sylvain, il est du Nord. Du Nord. Puis Kalina, elle est pas du Nord. Il y a toujours le dragon ou quoi? Atomania n'est pas normand non plus. Atomania n'est pas normand. Nous ne prononcerons pas ce qu'il est. Oh. Hier, j'ai voulu participer au Maître des Fleurs. Deux premières questions, c'est bon. Troisième aussi. Quatrième, je me trompe. Cinquième, je me trompe. Sixième, j'étais AFK. Enfin, AFK, oui. Pourquoi je vais par là? Je sais pas ce que je fais. Je fais n'importe quoi. Il est breton. C'est le B-Word. C'est le B-Word. C'est le B-Word. Mais j'aimerais... Donc en vidéo que je prévois donc faire le magazine, enfin faire voir le magazine qui date de 2013 avec tout ce qui est mode japonaise dedans. J'aimerais bien aussi faire voir les anciens jouets que j'avais. Et justement Animal Crossing GameCube. Mais pour ça, il faudrait que ça s'enregistre. Pourquoi j'arrive pas à utiliser ma... Ok. Par contre, la musique, stop. Il n'y a plus personne, il y a la musique qui est là en mode. C'est épique de ramasser des cailloux. Épique. Épique et collégramme. Qu'est-ce qu'il dit? Toc toc. Hein. Ha! Trouvé. Je crois que je vais la changer celle-là. Merci Tempé, merci beaucoup. Va falloir que je prévoie de... Ouais, va falloir que... Ah mais... Arrête! Écoute la musique un peu! Arrêtez de m'attaquer, j'en ai marre! Non! Attendez, 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 il faut faire des trucs là. Attendez. Attendez. Stop! Attendez encore? Attendez encore! Encore? Non. Attendez. Attendez. Oui, cool, c'est ce qu'il me faut. Mais je sais plus si c'est des chouchous roses ou des... Attendez, 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 attendez. On fait une pause, il se passe trop de trucs. Les gelées comme ça. Si vous les tapez avec des trucs de glace, d'électricité ou de feu, ce que vous allez avoir, c'est justement des machins de feu, de machins, tout ça. Oh. Et ça, il en faut pour les tenues. Et je ne sais plus lequel il me faut, mais il m'en faut. Incroyable, je sais même pas. Voilà. Je pense que c'est des électriques qu'il me faut parce que j'en ai pas beaucoup. Ouais. C'est ça, Tempé. Ouais, ouais. T'as vu? C'est vrai que vous avez des badges pour les bits offerts. Le basique, je crois que dès qu'il y en a un don de 1, vous avez la petite larme. Ensuite, vous avez le cœur. Ensuite, je crois que c'est un sort de diamant. Etc, etc. Voilà. Mais le cœur, il est mignon, je trouve. Hihihi. Effectivement, tu as eu le petit cœur, Tempé. Merci beaucoup. Mais encore pour ton soutien, merci. C'est très gentil. Merci beaucoup. Vous contribuez au Japon. Merci beaucoup. Ah, ah. Vous contribuez au Japon. Merci beaucoup. Mais tape. Ok. Allez, là normalement on est bon là. Il est où l'autre? Là. Merci beaucoup. Il y a encore le dragon? Il y a du vent. Il est où le dragon? C'est bizarre. Hein. Anyway, on se concentre. 1, 2, 3, 4. 5. Ah, du Zelda 2. Est-ce que tu vas l'acheter Day One, Sylvain, toi? J'espère. En fait, je vais plutôt regarder des gens y jouer. Et vraiment, si ça me plaît, je le prendrai. Mais je préfère regarder les gens y jouer avant. Ah, tu pourras regarder le let's play sur la chaîne de ton ami. De mon ami? Ouais, je. Ça se voit. J'ai un ami? Toi? Je me sens mal d'un coup là. Non mais c'est toi. Oui, moi. Mais pourquoi t'as pas dit meilleur ami? Meilleur ami, pardon, meilleur ami. Ah bah oui aussi. Dans le meilleur duo du panier. Coucou mon Snippy.
Merci pour ton lurk. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien en ce moment. Que ton travail se passe bien aussi. Je suis Covid-aide! Oh, arrête! On est en 2023, t'es encore Covid-aide! Arrête, Snippy, non, pas comme ça. Ça fait 4 ans, il est Covid-aide. Oh non, bah surtout guéris bien. J'espère que c'est pas trop grave. Un gros taco, j'ai rien senti. En vrai, je pense que t'aurais mangé de la pâtée pour chat, ça aurait été pareil. T'aurais... Ah ouais, tu prends un truc de tacos, tu mets la pâtée pour chat, tu manges. Mais... Genre vraiment, t'as le Covid, tu sens rien. Mais... Tu fais des économies. Non. Oui, mais je ferais pas, enfin, oui. Mais arrête, c'est rigolo, arrête. Oui, c'est rigolo, mais autant manger ça directement dans la machine. Oh non. No. Qu'est-ce que je raconte? Parce que quitte à pas avoir de goût, autant manger ce qui est pas bon quand ça revient. Franchement, oui, je sens rien. Oh non. Oh, mais j'espère que c'est pas une forme trop grave que t'as. C'est fou, hein. On fait plus du tout attention, en vrai. Hein. Non, c'est passé. C'est passé. C'est passé. Je suis où, là? Je suis là. C'est quoi, celui-là? Oula. Quoi? Non, c'est... T'es chez où, là? Je suis où, là? Et oui, je cherchais sur la carte. Leave me alone. Par contre, Nouveau Zelda, 0 IP. Je t'avoue que moi non plus. Enfin, 0 IP. Don't hate me, people, but... Déjà, de base, Breath of the Wild, il me faisait archi peur. C'est pour ça que je l'ai acheté qu'en 2020, en fait. Let's go. Et ouais, j'avais vraiment des appréhensions parce que tout le côté, genre, technologique, genre... Attendez, je trouve plus les touches. Genre ça, là. Alors tout ce qui est côté comme ça, là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre pour un jeu Zelda. Et au final, ça va. Mais le fait qu'on peut faire tout ce qui est crafting dans le nouveau, je préfère justement regarder les gens y jouer et puis me faire mon avis comme ça, puis le prendre si vraiment je le trouve bien. Le crafting, c'est l'histoire de Animal Crossing. C'est pour ça, ça me fait trop peur, ça me fait trop penser des flashbacks d'Animal Crossing. Encore plus technique, ouais. Mm. Tu t'es cogné? Tabasser le coude sur de la chaise. Ça fait 10 ans que t'as la chaise et t'arrives encore à taper le coude. C'est un réflexe. J'ai changé de chaise, c'est plus les mêmes dimensions. Oh. Je sais, voilà, c'est bien les libellules. Mm. Ouais, c'est ça, Snippy. Bah après, ça se tombe, ça, il va être juste ultra bien. Hein. Mais je préfère attendre et regarder des let's play de mes amis. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. C'est miam miam. Miam miam. Le petit chacha. Voilà tout. Et puis vraiment, si je trouve qu'il me plaît pas forcément, je pense que je prendrai le DLC de celui-là. Mm. Et puis on fera le DLC pour prolonger un peu la durée de vie du jeu, quoi. Au pire, tu recrées une autre partie. Non. Tu rechasses les corbeaux. Non. La réponse est non. La réponse est non. Tu refais des défis comme on a fait, à boire des choses bizarres. À boire des choses bizarres. Oh, j'avais eu mal au ventre à la fin. On avait fait... Le savon. On a fait un stream avec Quentin sur ce jeu-là. On commençait du Temple Renaissance. Fallait aller jusqu'au château, jusqu'à Ganon, en fait. Sans objet, sans armure. Et à chaque fois qu'on mourait, fallait boire un truc dégueu. Mais sur ma partie où j'ai 4 cœurs et 1 d'endurance, là, je pense qu'on aurait pu s'éteindre avec toi. Ouais. Oh non, j'ai pas de flèche. Ah si, c'est bon! Non! Non, fais pas ça. Oula! Drop the frames. Let's go. Je me suis zéro spoil des trailers récemment pour garder la surprise. Je suis désolée hein, si vous avez bah, Quentin aussi. J'essaie de pas trop vous spoil. Non, mais du coup, je parle du craft, mais... Il y a un aspect crafting, mais c'est tout, quoi. Après, je vous avoue que... Arrêtez de vous moquer, c'est méchant. Oh! Bien joué! Ok. C'est quoi le. Oh là là, la gyroscope! La gyroscopie. Pourquoi j'ai fait ça? Presque.
Ok. Bien joué. Oh, okay, trop forte. Hein, trop forte, hein, incroyable. Femme Vanille et Quentin sur Pokémon Écarlate et Violette. Nous avons divorcé avec Pokémon depuis Soleil et Lune, actuellement. Vraiment, pour de vrai. Ouais. Nous avons divorcé à partir de Soleil et Lune avec Pokémon. Le meilleur, ça restera Diamant. Après, il y aura Noir et Blanc. Non, non, non. Attends. Il faut que tu mettes de la nuance. Pour moi, le meilleur restera Diamant. Pour moi, de mon côté, de mon propre avis, dans ma tête, Diamant, c'est bien. Très bien, c'est le meilleur. Uh-huh. Après, il y a les Noirs et Blancs. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est vu que c'est passé en 3D, vu que c'est depuis les petits personnages. Parle pas de noir et blanc. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours pas fini la ligue. Ça n'a jamais existé. Oui, non. Je n'ai jamais fait de stream sur Pokémon noir et blanc, c'est faux. Je n'ai jamais pas fini la ligue. T'inquiète, hein, le nombre de ligues a commencé que j'ai jamais fini. Non, en vrai, il y a mon perle, très bien. Bah après, j'ai commencé avec rouge, c'était sympa, mais mon cœur s'est brisé quand ma pile de sauvegarde a décédé. Donc ma première aventure, remember, hein, mais je pleure fort. So long. So long, hein, comme on dit, dans le jargon. Je pleure. Ça me fait penser que sur Diamant, j'ai plus mon Torterra. Ah oui, c'est vrai. Mais t'avais deux fois le jeu, non ? Diamant ? Oui, tu m'avais pas dit que tu l'avais sur R4, elle est morte, et puis... Non, là, j'avais Or sur R4. Et donc du coup je l'ai envoyé sur Or pour m'aider à toutes mes arènes. Ah il est sur Or ? Ouais, sur la R4 qui est buggée. Ah ! Ah ! Du coup t'as pas tout perdu quoi. J'ai la R4 elle est sur l'ancienne DS que ma sœur a qu'on disparu je pense. Oh là là. Oh non mais au pire. Je sais pas comment tu fais pour laisser tes trucs à toi, à tout le monde. T'es trop généreux. Trop généreux, je suis trop mal, on m'appelle Moïse. Non pas Moïse. Moïse. Qu'est-ce que tu as fait ? Moïse est généreux, Moïse. Non. Bien joué. On voit ma flèche là. Non, mais j'aurais jamais pu passer ma DS alors j'avais toutes mes aventures dessus. Hein. Mais moi j'avais la DSi, parce qu'il a prôné le jeu DS et la 3DS, donc j'étais en mode. Alors ça va. Ça va. Mais bon. Bon, ce que je vois, les jeux de DS sur la R4, qu'est-ce que c'était bien. Le jeu Playmobil Pirate. Playmobil Pirate. Oh, c'était si bien. T'avais le petit Playmobil, tu t'arrivais sur une île, il y avait des petits jeux, le jeu de la bouée. C'est littéralement, tu vois, le jeu dans les bars où t'as le machin avec le palais. Oui, ouais, ouais. C'est ça, avec un boulet de canon, il est boué. Puis tu passais d'une aventure à l'autre, tu faisais un long chemin vers la droite, t'avais les ennemis, les pièces et tout. Puis t'avais surtout la partie intéressante, c'était la bataille navale. Oui. Tu avais un bateau et tu tuais d'autres bateaux. Tu jouais pas au mini-jeu sur Mario Bros ? Let's go ! Non. Si, mais ça c'était sur la vraie cartouche, ça. Oh, qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Nintendogs, ouais. J'aimerais bien collectionner tous les goodies Nintendogs aussi. Ça, c'est dans mes objectifs de vie, ça. Et au Japon, et en tout Nintendogs. Le dragon. Non ? Saute, Slimane. Mais il y a de l'air. Moi, quand il y a de l'air, je crois qu'il y a le dragon. Mais il n'y a pas le dragon. C'est vrai ? Mais en fait, des fois, je m'y remets, mais je joue une journée, puis après, c'est fini. Souvent, ça fait ça avec les trucs que je fais. Malheureusement. Il y a du vent. Mais j'ai acheté sur Vinted, il y a environ un an, une pochette pour Nintendo DS Tank. Nintendogs, avec le petit... T'as le petit os en sorte de porte-clés pour nettoyer l'écran de ta DS. C'est trop mignon. La DS, au secours. La DS. Je me souviens, j'avais une sorte de coque que tu mettais autour. Puis en dessous. Il y avait un tiroir, tu pouvais mettre trois jeux et un stylet. Ah ouais. Ouais. Bah dis donc. Tiroir, il tenait jamais en place parce qu'à force de le mettre et le tirer pour prendre les jeux, ça glissait tout seul. Oh no. Ouais, c'est bon. Oh no. C'était pas celui-là, c'était l'autre où il fallait aller. Pour le Korogu. Bon. Au moins, on a des... Oh, c'est bien ça. C'est bien ça. Je parle pas, mais je fais du ménage, pas de soucis. Hein. Je sais bien qu'il y a plein de gens qui sont en leurre qu'en train de faire autre chose à côté. Je fais la même chose hein, dès que je suis en live. Enfin, je suis. Je reste souvent en leurk. Même si j'écoute en fond. On est le peuple de l'ombre. Hein. C'est eux. C'est juste eux en fait.
train de jouer à Motus. Motus. Moi, je suis littéralement lurking. T'es... Ouais. Quentin aussi, il est en lurk, là. Il est en train de lire un livre. Et à côté de moi, il lit un livre. Je sais lire, messieurs dames. Il sait lire. Est-ce que j'attends que mon pouvoir revienne? Je pense que tu attends que ton pouvoir revienne parce que tu vas sans doute devoir aller en face. Ouais, du coup, t'es on a fait tout ça pour rien. Ouais, c'est ça. Bah, après, en vrai, je repop là et puis paf. Donc, ça veut dire que là où il y a le korogu, c'est la fin. Oui, c'est ça. Justement, j'ai fait. Tu vois, j'ai mis les deux pour me dire oui, il faut traverser, sauf que. En fait, le début, voilà, c'est ça. Le début, c'est le point de départ. Et lorsqu'il y a la graine de korogu sur la map, ça veut dire que c'est la fin. D'accord, ok, j'ai tout compris. Je me mouche le nez, excusez-moi. Attends, TT, je sais ce que c'est, attendez. Team Tactic Fight Non. À part... League of Legends Non. Oui, presque. Team for Tactic Fight. Team Fight Tactic. Oh, j'étais presque. Je sais à peu près ce que c'est, hein. Oui, c'est télétravail aussi, mais... Ah, télétravail. C'est aussi time travel, hein, sur Animal Crossing. Oui. Quand tu tétais. Oui, et une tétée, c'est... ça fait un truc qui fait travail. Tu veux, je te le dis, parce que c'est bizarre, mais... Ouais, on était... Il était en train de trouver tous les mots qu'on peut faire avec tétée. Oh là là. Je pense à time travel, ouais. Je sais plus, aussi l'autre jour j'avais justement ce truc là où je me suis dit oui, ah oui, ça fait tété comme time travel, mais je crois que j'ai oublié. La tété, comme la vache. Bon courage en tout cas si vous faites du ménage actuellement. Hier j'ai essayé d'en faire dans ma chambre, sauf que déjà j'avais mes disques. Allez, dis-moi. Yes. Je me filmais en train de chanter, sauf que je devais faire le ménage. Et du coup, le disque, il dure quoi, 20-25 minutes. Après, faut le retourner. Donc c'est moi qui refais des vidéos, moi qui rechante. Du coup, bah oui. T'as deux ménages. Le ménage où tu le fais sérieux et le ménage où... Oh, t'es distrait, tu fais quelque chose. Et tu fais... Oh, tu refais quelque chose après. Non. Je vais sur lequel? Je suis où, là? Là. Par là. Merde, il fait faim, non? Bientôt l'heure. T'as encore faim? J'ai faim. Puis tout à l'heure, j'ai faim. T'as mangé des pancakes? J'ai mangé deux pancakes avec un peu de miel. Il aurait fallu deux fois ça. Trois fois ça. T'inquiète pas, on se rattrapera après. J'aurais dû dire 19h. Ça ouvre... Attends, ça ouvre à quelle heure? Je sais pas, peut-être 18h, premier service 19h. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, on va au Memphis après. Et bah depuis hier que j'ai proposé. Il y a moyen, tu me déposes. Quoi? Il y a moyen que tu me déposes après. Je te dépose? Ouais. Comment ça, je te dépose? Bah, on y va tous les deux, puis on y revient tous les deux. Bah non, tu rentres à pied. T'as cru que j'allais te déposer? Non. Mais évidemment, évidemment. Bonjour. Bien. Bien, tu veux me montrer tes vêtements? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Celui-là. Ok. Celui-là. Faisable. Attendez. J'optimise. Ça, c'est pas mal, ça. Grenouille tempo. On a que ça. C'est pas beaucoup. Après, il me faut des fragments d'étoiles. Beaucoup de fragments d'étoiles. Cœur antique. Cœur antique. Viscère de linel. Gemme nox. Lizard tempo. C'est compliqué. Sabot de linel, viscère de linel, ouais mais bon, un linel, t'as une chance sur deux qui te drop un viscère et genre il m'en faut combien de viscères, j'en fous plein. Coucou Darpen, comment tu vas? Bienvenue sur mon live. Merci beaucoup. Elle a encore plus deux viscères de linel, c'est beaucoup trop. Hein. Éclat de corne de Rordrak. D'Ordrak, pardon. Parce que griffe, là faut éclat de corne. Griffe. Compliqué tout ça. Hein. Quel enfer. Papillon infinus. De lumière. Papillon de lumière. Ça va super et toi? Ça va bien, merci. On est en train de chasser les korogus, puis là on fait une petite pause pour augmenter les capacités des vêtements.
J'aimerais bien finir le 100% du jeu avant que le nouveau sorte. Spoiler, je pense que ça sera pas fait. 580, je sais plus combien, je crois que c'est 200 quelque chose. Je vais regarder juste après. Enfin, je crois que ça se voit qu'on s'est épais, non? Ouais. Ouais. Cindy Sanders, c'est Papillon Lumière. Oui. Sous les projecteurs. Attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ok, let's go. Ils m'ont raccroché au nez. Mais c'était un appel comment ça? C'était un appel sur... Ouais, on me rappelle, attendez. Je suis un petit ourson, on dit que je suis mignon, mais j'adore la bagarre, c'est moi qu'on appelle Oscar. Là, c'est bon, en fait, tu m'as rappelé une deuxième fois et t'as l'alerte. Moi, je suis mignon, mais j'adore la bagarre, vite, vite, vite. Merci Nico pour ton raid. T'as pas coupé le raid, non? Non, j'ai baissé le son de la musique. Ah ouais, la musique enfin, de quoi? J'ai baissé avec le clavier le son du PC, quoi. Mais tu l'as remis, non? Oui, oui. Ok, cool. Non, c'était pour savoir si je voulais travailler en tant que guide, mais je dis bah non, du coup, je le fais déjà. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Au moins, ils savent que t'es mignon. Je suis un petit ourson. J'étais là, oh non, oh non. La musique, la panique qui s'est lue, la demi-zone où je t'ai vu. Oui, c'était pour le Japon, oh là là. Non, 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 c'est bon, c'était autre chose. Maintenant, en fait, vu que mon profil, il est encore sur les sites de recrutement, genre Pôle emploi et tout, j'ai encore les gens qui m'appellent. Donc, c'est LinkedIn? Non, attends, c'est... Non, je crois que là, c'était genre Hello Work ou un truc comme ça. Ah oui, oui. J'ai compte que je rentre jamais. Ça va bien, Nico? Merci beaucoup. Là, on était en train de faire du Zelda. On fait du Zelda. J'étais aussi en train potentiellement de courir, mais ça va. Merci encore pour ton raid, j'espère que ton live s'est bien passé. Je sais pas sur quoi t'étais, mais voilà. N'hésite pas à nous le partager, évidemment. Et merci encore d'avoir pensé à moi. Et coucou Benjamin. Bienvenue, bienvenue. Installez-vous. Prenez un petit thé, un petit benko, un petit café. Tranquille. Oui. On a fait des puzzles. Genre des vrais puzzles, genre t'avais la caméra sur toi qui fait les puzzles et tout. Trop bien. Pimpon, pimpon. T'as dire quoi? Pimpon très fort, mais... Oui, c'est ça, en gros, je suis guide, Maëla. C'est ça, c'est ça. Mais je pouvais pas mute le PC très rapidement, en fait. Je pouvais mute le micro, mais c'était trop d'informations de ma tête pour mute le PC. Oui, non, mais de toute façon, on panique, j'aurais fait la même, je pense. Puzzle sur Internet, on peut être plusieurs à le faire. Oh, trop bien. Vous voulez pas être fait. Vous avez réussi à le terminer ou pas du coup? Non, en vrai, j'aime bien mon métier en tant que guide. J'aime bien partager des choses avec les gens. En vrai, je préfère quand même la musique avec Oscar que le bruit de la grande fée là. 2 de 240 pièces. GG. Des clients relous. Oui, mais on va dire que la plupart des gens qui viennent, en fait, ils sont en vacances et ils veulent apprendre des choses. Donc la plupart des gens sont très gentils. J'ai encore des choses à améliorer, je sais pas. Ah oui, ça. Le bisou. Le gros bisou. Mais voilà, ça fait... Merci encore hein, Nico de m'avoir choisi encore une fois, c'est très gentil pour ton raid. Même si je stream pas souvent actuellement vu que je travaille beaucoup, ça fait plaisir de voir que vous pensez encore à moi. Et voilà, du coup 3 jours d'affilée de repos, moi je vais pas dire non, merci à tous. Parce que je suis vraiment vraiment fatiguée. Le soir... Attendez, ah oui, on voulait voir combien j'avais de Korugu. Pour répondre à la question de Darpen. Et oui, j'ai fait tous les sanctuaires, oui, oui. Oui, tous les sanctuaires. Oui, c'était une couleur pas permanente, c'était semi-permanente. J'ai encore des vieux reflets, genre. Là. Tu sens qu'il y a des reflets, là. Mais non. Je la referai, genre...
Dans quoi? Dans un mois? Ah, moins d'un mois. En fait, j'attends d'avoir ma paye, tout simplement. J'ai pas vu combien j'avais de cours au goût. 3,76. T'as regardé? Bien joué. Heureusement que j'ai un deuxième cerveau à côté. Hein. 376. Tiens, je vais marquer dans mon titre pour que les gens sachent. Nous sachons. Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux. D'accord, très bien. Merci Magneftis pour ton soutien. Merci beaucoup. 9 mois, c'est le bébé. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Je suis un beau bébé, exactement. Tu vois, j'avais même pas lu ton message, j'ai parlé de bébé. Voilà. Bébé. Il y a quelqu'un, il y a longtemps, que je nommais bébé. Petite pensée à lui, hein. JTM, hein. Si tu passes par là, je pense toujours à toi. Hein. Tu te reconnaîtras, évidemment. J'ai envie de canner. Voilà. Je suis à combien de 376? Ouais. C'est ce que tu m'as dit. 376, ouais. Exactement. Voilà. Bon, je suis à un tiers. Bibi TM, ah non. Non, 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 non. Non, Bibi, ah. Non, non, je rigole, je rigole, je rigole, je t'aime bien, je t'aime bien, je t'aime bien. Non, 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 non. Mais merci encore, Neftis. C'est très gentil. Attendez, pub, attendez. Déjà, pub pour Nico. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Nico, qui nous arrête tout à l'heure. Parce que on a tous besoin de se soutenir. Oui. Oui. Et après, je ferai la dédicace à Michoulo, parce que demain, Michoulo fera le tournoi de Neftis. Le tournoi de Neftis. Le tournoi de Neftis, c'est sur Mario Kart. Et c'est trop bien. Tout simplement. Juste trop bien, en fait. C'est juste trop bien. J'ai du mal à me repérer, hein. C'est où ça? Ah oui, mais aussi. Non, attention, je suis. Oh, j'ai du mal à repérer, c'est horrible. Je suis où? La tour, elle est où? Je suis où là? Ah, je suis là, pardon. Excusez-moi, je me suis trompée. Pick up the rock behind the corrupted area. Let's go. Ok, j'ai tout compris. Pick up the corrupted area. The corrupted area, ça c'est la corrupted area. Oh, un petit papillon, non! Je voulais le papillon! Bonjour. Le petit papillon. Je l'ai eu. Ok. Joué. C'est ça? The rock behind the corrupted area? Oui, c'est celui-là. Non? C'est qui? Oui, c'est ceux-là. Qu'est-ce qu'ils font? C'est bon, laisse qu'on... Ils regardent l'œil. T'es un malade, Bernard. Tu voudrais pas faire un cosplay de mon couple? Oui, bah je peux le prendre en slip, je valide pas, oui. En slip avec un truc de léopard sur lui. Oh. Oh. J'ai le même physique, ça tombe bien. Oh, arrête. Un peu petit, un peu gros. Oh, ouais. Oula, headshot. Non, j'en ai plus. Oh oh. Go away. Go back. Go away. Qu'est-ce qu'il m'envoie dans la tête, là? Oh, regardez-moi ça. Oh là. Oh no. Oh no. J'ai cassé mon... J'ai cassé son arc. Et voilà. C'est bon. Mario Kart 9. Mario Kart 9 pour 2025. Je sais même pas à quoi il ressemblera, Mario Kart 9. Est-ce qu'il s'appellera Mario Kart 9 aussi? Ça fait bizarre, Mario Kart 9. Mario Kart 9, Mario Kart, oui. 9. MK9. Genre 8. Mario Kart 8, tu vois, ça va, ouais. Mario Kart 9, genre. Moi, je pense que niveau commercial... Ou alors, c'est Mario Kart 8 Ultra Deluxe. Ultra Deluxe. Ultra Deluxe, où tu devras payer 60 fois les mêmes DLC pour avoir les mêmes maps. Trop bien. Et d'autres DLC pour avoir les maps de GameCube. Les autres maps, littéralement. Archi bien. J'ai déjà tout pris en photo. Bidi, 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 c'est quoi ça? On s'en fiche. C'est quoi ça? On s'en fiche. Yeah. J'ai hâte aussi au Japon d'aller au Nintendo Store. Étonnant. Pour
perdre tout mon argent. Sers-toi de ma rage quand tu veux. D'accord. Ultimate Switch Deluxe. Ouais, je pensais que ce sera ça. Ils vont rajouter des mots au titre. Hein. C'est tout ce qu'ils vont faire. Effacer. Donc là, ça, c'est bon. On va aller ensuite par là. J'ai du mal à me repérer sur la carte. Ok, on va de ce côté-là. Une nouvelle console. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Bibité, mais en ligne. Tiens donc. Étonnant. Tokyo... Kyoto, ouais. Ouais, peut-être pas les... Je sais pas, je crois qu'à Kyoto, t'as juste les bâtiments, en fait, Nintendo, mais je pense que t'as rien à voir de particulier. Je peux rentrer? Non, d'accord. Super. S'il vous plaît, je peux rentrer? Non. Salut, bébou. Comment tu vas? Non, pas lui, va-t'en, je t'en veux. Non. Laisse-moi tranquille. Leave me alone. C'est quoi ça? Ah! Oui, d'accord. Je viens de comprendre. Il faut que je mette un caillou dans un trou. C'est parti. Ah bon? Arrête. Ils ont ouvert un Nintendo Store à Kyoto? Alors qu'il y a déjà un Nintendo Store à Tokyo? Et qu'il y a le truc à Universal. Arrête. C'est vrai, trop bien. Enfin, trop bien. Good for you, hein, comme on dit. Ah ouais. Ok. On fera un petit tour. Hein. De toute façon, Kyoto, j'aimerais bien y aller aussi. Qu'est-ce que je fais? Je sais plus. Ah oui, je cherche le caillou. Mais non, mais casse-toi! Non, je voulais pas... Pourquoi il faut... Pourquoi? Laissez-moi tranquille. Leave me alone. Mais il est où le caillou que je peux envoyer? Ah, il est là. Ok. Non! Ok, en fait, le caillou était juste là. Merci beaucoup, Eiko! Je dis tu pues du cul au mec. Eiko follow. Let's go. Merci beaucoup. C'est très gentil. Allez, on y va. Bien, tout seul. Voilà, comme ça. Il est encore plus blindé que celui de Tokyo. C'est vrai? Ah, évidemment. Je suis sûre ils ont fait des tasses Nintendo Kyoto. Il va falloir aller chercher toute la tasse. Ouais. Let's go. Est-ce que dans les Starbucks, là-bas, il y a des tasses? Oh, il y a... Ah oh, les Starbucks au Japon. Aïe, aïe, aïe. Mamma mia. Merch Starbucks Japon. Mamma mia. Tu n'imagines même pas... Est-ce que c'est pas... mieux que les deux vieilles gourdes qu'il y a dans tous les trucs? Regarde déjà la première ligne. Regarde déjà la première ligne. Attendez, il faut que je vous partage quand même. Partage. Attendez, je vais partager. Non, qu'est-ce que je fais? Je vais vous partager. Déjà, t'as deux lignes, ça, c'est terrible. Enfin, c'est terrible dans le bon sens. Genre, regardez déjà. Starbucks, là-bas. Il y a ça. Attendez, je vais remettre de la musique un peu derrière, parce que ça fait un peu bizarre. Alors, juste la première tasse. Transparente avec des petits oiseaux, des petites fraises. C'est déjà très joli. C'est déjà magnifique. C'est déjà trop bien. C'est trop mignon. Coffee. Ah bah, et puis le Sakura. Franchement, le Sakura 2020, il était encore plus beau que ça. Genre, regardez cette tasse. Regardez cette tasse. Waouh. J'aime bien. J'aime bien quand c'est un peu transparent, rosé et tout. Juste regardez. C'est juste trop beau. Ouvrez vos yeux. Celle-là est trop belle. Mais est-ce qu'ils font tous les tasses des pays? Je sais pas. Peut-être. C'est trop beau, genre KitKat. Mais il y a tellement de choses à acheter aussi. Hein. Regardez-moi ça. Tellement de choses. Regardez. Tellement de choses. Poki à la banane. Les poki à la banane. Attends. Les poki à la banane. Bienvenue, Eiko. Merci, c'est très gentil. Merci d'être arrivé jusque-là, ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
Par contre, 10 euros. Stop. Hein. Oh, des pokis à l'orange. Des pokis au melon. Des pokis à la myrtille. Oh, non, pardon, raisin, pardon. Des pokis à la fraise. Y'a pas les pokis à la banane. C'est original poki. Y'a pas sur leur site. Y'a pas la banane, juste. Je suis triste. Les meilleures ventes. Doit être trop bon. Sugoi Mart, Pokémon Lucky Bag. Let's go. En vrai, ça donne faim tout ça. Ça donne faim toutes ces petites bêtises là, mais bon. 10 euros quand tu peux l'acheter directement au Japon à 2 euros. Oui, ouais, bon. C'est ça. Mais après, des trucs comme ça, c'est les commandes en groupe. Ouais. Puis les frais de port, au secours. En plus, ça a archi augmenté. C'est pour ça que Candyson il a fermé. Et puis même, il me semble que tout ce que tu importes du Japon, si c'est pas genre un cadeau, t'as 9 euros de base de taxes, plus 10% du prix que t'as payé le truc. Donc c'est trop chiant. Oui, oui, oui. Top. Alors qu'en vrai, c'est trop bon, enfin c'est trop bon, c'est trop marrant. Non, c'est l'Union Européenne, hein. C'est l'Union Européenne qui a dit... Ah, c'est l'Union Européenne. Ah, l'Union Européenne a dit, oui, si ça vient en dehors de l'Union Européenne, on fait taxer donc 9 euros plus machin. Et t'as le mec de la poste qui va venir chez toi en mode, oui, je veux les sous. Forcément. Oh bah tiens, petit biscuit Animal Crossing. Non, non, c'est New Horizons, on ne prend pas. On va nous arnaquer. Chocobol. Tu te rappelles la vidéo d'Antoine? Chocobol. Miam miam. C'est une fin. Hein. Je vais goûter tellement de choses. Hein. Toi, tu vas faire goûter plein de trucs. Hein. Ouais, ouais. Moi, j'y vais en repérage avant, puis après, Quentin, il arrive. Et puis. Moi, je constate, je suis le chef de chantier. Je suis content, Philippe. Bah ouais. Super chimique, ouais, je pense que c'est pas non plus le truc le plus naturel au monde, mais bon. 10 euros quand tu peux juste l'avoir 2 euros au Japon. Bah oui, c'est ça. Je veux dire, je vais pas débourser 10 dollars, bon, ouais, 10 euros, plus les frais de sport, plus la taxe de la douane, pour un truc où je vais aller dans quelques mois et voilà quoi. Ah oui, non, et si tu repars avec? Et si on commence à faire un commerce? ça me donne faim, ça. Takoyaki, snack. Takoyaki, c'est au poulpe. C'est des petites boules crunch crunch. C'est des musiques vachement drôles. Enfin, la musique, je me souviens plus de la suite. Mais... Avec Takoyaki. Je te louerai comme... Mais en vrai, si vous y allez quand j'y suis, y a pas de problème. Je veux bien vous faire visiter et tout. Le petit troupe, là. Crèmes glacées sont les meilleures. Je vais goûter tous les Kit Kats. Je vous ferai une review Kit Kat. Je ferai des vidéos sur les gachapon. En vrai. C'est la vidéo où tu déballes ce que t'as, tu goûtes ce que t'as, tu goûtes des trucs là-bas. Vidéo dégustation. Le décollage de la partie vlog. T'as Animal Crossing et t'as les vlogs qui vont. Les vlogs. Les vlogs. Les vlogs. Tamagotchi nouveauté. Je voudrais juste Gachapon. Ça existe ou pas? Bonjour. C'est pas dans jouer. J'ai regardé mais j'ai pas vu. C'est Gachapon. Je crois qu'il y a un C à un moment donné. Si, là. C'est ça. Pourquoi il y a les vieux termites, là? Il y a des termites. Tu peux avoir des petites termites. Dans Gomushi. Bon, après, c'est des tout petites conneries, ça. Joli. Sur les Kit Kats. Non, je le ferai sur ma chaîne principale, ouais. Oh, trop bien, ça. Oh. Oh. Et il y a une youtubeuse japonaise, enfin non, elle est pas japonaise, qui fait des vlogs au Japon tout le temps, elle y est depuis plus de 10 ans. Elle a créé un Airbnb spécial chat, où tu peux aller, et elle a créé des gachapon. Et t'as une gachapon, c'est des manettes, et l'autre en dessous, c'est une boule à neige, avec un chat dans une litière, mais c'est pas de la neige, du coup c'est des bouts de litière qui flottent quand tu fais YouTube. C'est trop bien, non? Ouais. C'est bizarre. Attendez. Ouais, mais vraiment, je suis désolée si vous... Enfin... C'est triste à dire, désolé si je vous rends jaloux. Franchement, je travaille comme une malade, je dois y aller depuis 2018, quoi. Et voilà. Voilà, c'est la litière. Mais les boules litières, ils se désagrègent pas au fur et à mesure, non? Non, moi je pense que c'est du plastique.
Mais c'est marrant. Ah non. Mais après, je serais pas non plus là en mode de, dans toutes mes vidéos de oh, what the fuck, les Japonais, what the fuck. Genre ça, ça me cringe, les gens qui vont au Japon qui font des vidéos comme ça. Stop. C'est bon, c'est fait marrant. Genre, oh, what the fuck, le Japon, c'est trop what the fuck. Oh, t'as, pardon. Tu te rends compte qu'il y a des chats accrochés à des boules dans des paquets de chips. Oh. Oh. J'ai envie d'être vulgaire, mais je vais me retenir. Ça lui coûte hein, de se retenir. Parce quoi. Mais je voulais vous faire voir le test qu'elle faisait. Attendez. Voilà. C'est de la litière, c'est trop bien. Coucou Xélie, pardon, t'arrives sur mon moment où je rage à moitié. Regardez, regardez, c'est trop bien. Ça, ça je l'achète day one, ça. Tu sais où elle est, la machine? Oui, enfin, oui, je peux la trouver. En fait, c'est juste à côté de son Airbnb, en fait. C'est trop bien, non? Oui, c'est trop bien. C'est un peu ce, mon goal en fait. Tout le travail que je fais là, c'est juste pour aller c'est acheter une boule de neige. Boule de neige litière. Let's go. Ça. La lune de sang, Link. Quoi? Non! Go! Faster! 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 Gator a peur. Non, tu ne l'auras pas. Je sais même pas ce qui s'est passé. J'étais où? C'était là, non? Mais ça me fait plaisir de te voir, Xélie. Merci beaucoup. Et GG encore pour ton petit DJ set. C'était marrant. Joué. Non. J'ai couru à côté. Ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout, là. Je fais n'importe quoi. Est-ce que tu peux décoller avant? T'as fait un an de dossier? Non, j'ai pas fait un an de dossier, mais là, j'ai fait... Ok. 5 ans de dossier. Depuis 2018, je vais acheter la boule de neige avec la litière. Hein. C'est faux, je ne savais pas qu'elle existait à cette époque-là. C'est bon. Bien joué. Merci, Xélie. C'est quoi ton programme ce soir, Xélie, sur les streams? Dis-nous tout. Et toi, Atomania, est-ce que tu live ce soir? On y va. Oui, il y a la fumée rouge et tout. À force d'attendre Zelda pendant la lune de sang, oui. Link, attention, non, c'est pas Link, réveille-toi. Link, la lune de sang. La lune de sang. Elle brille à nouveau cette nuit. On s'en fiche. Prends garde. Par contre, t'as vu mon objectif, ça m'a remis les points d'abonnés. Là, ma barre. Ouais, 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 je vois. On le fera, hein, messieurs, dames, un jour, oui. Le 24h. Hein. Pas tout de suite. On le fera, promis. Ça avait été dépassé. Mais là, ouais, non. Oui. Oula, ça, à mon avis, ça sent le corogou, ça. Bah, merci pour ton cadeau de, d'absence, Picalina, ça me fait très plaisir. Ton absence est du coup justifiée, merci beaucoup. Merci, Picalina, pour ton soutien. Troisième mois. Troisième mois d'abonnement, merci beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Mais en fait, je les ai déjà eu en fait. Complètement pompette. C'est moi. Et bourrette, bourrette vanille. Oh, je pense au burger, j'ai faim. Bientôt, bientôt. J'ai faim. J'ai faim. Le pouvoir de gagner. On y va avant, on mange. On les rejoint, on remange. Oh, bien joué. Oh ouais. On pourrait faire ça. Par contre, là, je suis en 2 FPS, c'est incroyable. Rien du tout ce soir. T'as pas prévu de live ce soir? Je rigole, tu fais ce que tu veux. Je rigole. Je rigole. D'accord. Ok. Priorité dans les voyages au Japon. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Si jamais j'ai loupé un de vos messages durant le live, n'hésitez pas à marquer riposte et le reposter le. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis, hein, comme ils disent. Tu vas faire tous les jeux à 100%? Lequel Echo? Je t'ai pas appelé Eiki tout à l'heure, peut-être. celui-là, bah, j'aimerais bien le faire à 100%, mais j'ai peur que ça soit pas... Que j'abandonne avant la fin. Voilà tout. Mais j'aimerais bien. Puis comme j'ai dit, si le nouveau Zelda m'attire pas plus que ça, je pense que j'achèterai les DLC sur celui-là, puis on fera les DLC en live.
T'auras la moto. La moto. Et le masque de Majora, le masque de Goro, et plein de trucs comme ça. Yeah. Yeah. Hop. Celui-là, je peux l'enlever. Non. Hop, effacer. Il manque celui-là. En vrai, on s'en sort pas trop mal. Enfin, quoi qu'il en reste quand même beaucoup, mais ça peut aller. Il me semble que oui, Maëlle. Me spoilez pas, je ne sais pas c'est quoi le cadeau de la fin des Korogu. Si ça l'est, me dites pas. Ah non, dis-moi. Ouais, il semble que Masque de Korogu, c'est le DLC. On dit rien. Non, dites pas. J'ai pas le courage de terminer un jeu à 100%. Je comprends. Bah, c'est beaucoup de temps, en vrai. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. J'ai vraiment pas le sens de l'orientation. Chaque fois il y a du vent, je me dis, il y a le dragon. Il est là. Il est là. Mais du coup, je sais pas si c'est l'Ordrak, le Crerdrak ou le... Je sais plus. Parce qu'il y en a, il me faut la corne, l'autre, il faut les griffes. Dans le loup, tu es tout le monde. Tu es tout le monde. Qu'est-ce que... T'as besoin de bourrer. En fait, si tu tires dessus, en fait, tu peux avoir qu'un seul drop, en fait. Mmh. Attendez, c'est lequel celui-là? Je suis où, là? Je suis là. C'est celui-là. C'est lequel celui-là? Oh, c'est trop mignon. Attendez. Il est où? C'est là? Oh, c'est trop mignon. Le masque de Korogu, c'est bien le DLC. D'accord, ok. Ouais. Il me semble que j'avais vérifié le masque de Korogu. Ce qui fait que... Ah oui, il y a aussi le fait de pouvoir suivre ta position, ce que t'as fait. Ça aussi, c'est DLC. Genre, tu vois ce que t'as fait et tout, c'est trop bien. Au moins, si tu finis le jeu-là, tu finiras avec le DLC. Ouais. Elle est où, sa tête? Non, il y avait une grenouille. J'aurais dû la ramasser. Oh non, j'ai ramassé la pomme. Mais il n'y a rien qui va. Je panique. Je panique. Laisse-moi tranquille. Tu peux plus. Oui, j'ai déjà essayé. J'ai déjà réussi à battre un linel. J'ai déjà réussi même à battre un linel blanc, donc le plus puissant. Au secours, je crois que je suis morte. C'était chez toi, je crois. Tu m'entendais pas, genre la dernière fois, j'étais en mode oh. Oui, c'est vrai. Genre je rageais, oui. Genre c'était là-dedans, là, dans l'amphithéâtre. Je m'en souviens. Si vous voulez, mais quoique, je trouve que le chemin pour aller jusqu'à l'amphithéâtre, mon Dieu, que c'est long. Je sais pas, je trouve que de là à là, en fait, c'est long. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est long. Herbier. C'est très long. On a dit aussi qu'on voulait faire le truc du pont. Sur le pont d'Avignon. Mmh. C'est quoi le meilleur jeu de la Switch, nous demande Maëlle. Pokémon Arceus. Bah, je dirais Breath of the Wild. Mario Kart 8, oui. Après, oui, j'allais dire DBD, mais DBD, c'est pas un jeu, genre, exclu Switch. Ouais. Vois-tu ce que je veux dire? Je vois. Pareil, Layers of Fears aussi, j'aime bien. C'est pas une exclu. Et c'est quoi l'autre que j'avais fait? Ah oui, bah oui, Resident Evil Révélation. Que je voulais faire sur 3DS et puis j'ai vu qu'il était sur Switch, donc... Non! Pardon. Non! Oh non, la boulette, c'est parti. En fait, je voulais sauter, sauf que j'ai sauté dans le vide. Tu sais, je voulais prendre l'avance, ouais. Sauter. Voilà, sauf que je fais ouais, wouh. Combien de pourcentage? Je sais plus, 40, je crois. On va regarder après. Depuis 15 minutes, ça va le faire, c'est le bordel. La boulette. Excusez-moi, j'ai dû vous faire peur, j'ai fait non.
peur, c'est moi qui dis. C'est juste parti. Ok. Que je refasse pas la boulette. Ch'tonk. Oh ! Pardon ? Le pont. Le pont, il m'a enlevé mon... Ah mais il me faut de l'endurance, non ? Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Ok. Plus vite. Ok. Oui. Ok, 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 ok. Infinitude, ah oui, effectivement. N'est même pas un jeu exclusif Switch, c'est vrai qu'il est sur Wii U, mais bon. En vrai, c'est un peu quand même le meilleur, non? Je vois pas... Après, Luigi's Mansion, il est bien aussi. J'aime bien. Mais c'est pas mon préféré. Je sais que les gens ont préféré le 3, mais moi, mon préféré, c'est le 2. Le 1, j'y ai pas joué, donc je ne peux pas me prononcer. Est-ce qu'il me reste du thé? Du thé. T'as fini de lire ton livre? Ouais, je voulais plus lire. Tu voulais plus lire? Je voulais plus lire. Parce que du coup, je pars en même temps. C'est bizarre. Tu n'arrives pas à te concentrer. Je finirai ce soir. Ok. Non, ce soir, tu vas dormir, c'est pas vrai. Ça fait 2-3 nuits que je me couche un peu tard parce que je lis les chapitres très bien. Alors un petit dernier. Encore un. Oh, mais tu fermes les yeux. Ah non, enfin non. T'arrives à te retenir de pas fermer les yeux. C'est pour ça que je fais. C'est pour ça que je ferme le chapitre. Oh, c'est plus possible. Au revoir. Parfait, pas même d'autres. J'aime pas lire. Enfin, quand c'est des choses sur internet, ça va, j'aime bien lire des articles. Et quand ça t'intéresse. Quand ça m'intéresse. Mais genre, lire pour lire le soir. Pour ça, là. Moi je lis pas ça, attends, le livre il est plus grand que... Non, je sais pas, je voulais dire un truc drôle mais j'ai pas trouvé. Il est plus grand que moi. Oh non, puis il y en a 4. Et plus ça va, plus c'est gros. Oh no. C'est dur à voir... Pardon, j'ai eu un petit ok. La quoi? Les pierres là, de Korogu. Je vois pas grand chose avec mes yeux. C'est que des ronds, de toute façon. Oui, où est-ce qu'il manque une pierre? Il y a un petit rond à l'intérieur, non? Faut pas que je la... Ah oui, de toute façon, faut peut-être que je la mette au milieu, non? Ouais, je pour pense l'instant, que moi, j'ai pas trouvé pas l'impression qu'il y a des trucs... Je pense qu'il va falloir la mettre au milieu. C'est parti. La 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 la. Là. Bien joué. Ouais. C'est quand j'aime beaucoup que tu joues à ce jeu. Peut-être le prochain stream en vrai, Echo. Mais je peux pas te dire quand. Parce que j'ai pas encore mes jours de repos en fait. Mais la semaine prochaine, sûr. Voilà. Et vendredi, j'ai une petite annonce à faire surprise sur justement le contenu par rapport à Twitch et YouTube. Voilà, je n'en dis pas plus. Je garde la surprise. Surprise. C'est pas incroyable non plus, mais c'est bien quoi. C'est forcément incroyable. C'est forcément incroyable. Faut pas dévaloriser l'annonce, sinon c'est faut vraiment. Pas d'accord. C'est la meilleure annonce du monde. Oh non. J'aime pas donner de la hype aux gens, puis au final, les gens sont déçus. C'est pas mon truc ça. Maman a répondu un cœur à ma photo. Merci maman. Je sais pas si j'y ressemble. Il y a un petit air. Il y a un petit air. Oui. Hmm. Oui. En tout cas, elle est bronzée. qu'est-ce que je voulais faire? Par là? Oui. C'est parti! Oui. Le live 24h à Benko. C'est vrai, Tao. C'est vrai. C'est vrai. Pas tout de suite. Je le ferai avant de partir au Japon. Promis. La première. Je promets. Avant de partir au Japon, je ferai le live
24 heures. Sur Animal Crossing, oui, promis. C'est vrai, t'aimes bien. Mais je trouve que la pomme radio, je sais pas. Le premier épisode, genre, il a bien marché. Le deuxième, un peu moins, je trouve. Enfin, beaucoup moins quand même. Du coup, je sais pas si. Si je continue ou pas. Ah, mais après, si tu pliques à ce qui marche, tu t'aimeras plus ce que tu feras. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si t'aimes ce que tu fais, fais-le. Ouais, mais là, je t'avoue, j'ai mis 2 mois quand même à le faire, celui-là. Ouais, mais parce que tu. Bon, pareil, tu bosses en même temps. Mmh. Du coup, je pense que je vais le faire tous les 2 mois, tu vois. Et pour compenser, tu vas avoir plus d'infos, donc plus 1000 d'infos, ça prendra plus de retard. Ouais. Parce que là, en vrai, j'ai rien à dire sur le mois d'avril. Hein. J'ai fait quoi? J'ai fait que de travailler, je ne sais même plus ce que j'ai fait de ma vie. On aurait dû penser à. Non. Oui. Oui, c'est vrai, Echo. Mais je pense plutôt faire des vidéos directement pour le Japon. Plutôt que faire Pomme Radio Japon. C'est quoi ça? Faut que je remonte là-haut. Non. Non. Ouais, voilà tout toutes les nouvelles un peu dans ce moment. J'essaie toujours de garder le rythme une vidéo par semaine. Bon, vendredi, du coup, j'ai pas eu le temps. Du coup, je l'ai sorti hier. Vendredi, là, vu que c'est l'annonce, bah, y a pas vraiment de vidéo sur la chaîne principale. Et vendredi prochain, il y en aura une. Etc, etc. Oh, je suis en 2 FPS, là. C'est vrai que, par contre, les pommes radio au Japon. Midi. Je vois pas pourquoi je ferais... Enfin... Bah, partage ta vie, qu'est-ce que tu fais là-bas, qu'est-ce que... Bah, ouais, mais je le ferai déjà dans les vidéos. Ça pourrait être une synthèse. Une synthèse. Toujours plus de contenu. C'est ça. Puis quand tu feras des vlogs, les gens, ouais, ils sont concentrés dessus. Ouais. Si jamais ils veulent recruter sans être concentrés dessus, Pomme Radio, tu t'expliques à l'oral vite fait, de voix toute douce ce que tu fais. Ouais. Et comme ça, au moins, ils peuvent faire autre chose et recruter en même temps. Ouais, ouais. C'est vrai. Merci, merci, c'est gentil. La synthèse. La synthèse du jour. Synthèse des jours, là. Oui. Par contre, j'aimerais bien remettre l'objectif. Pourquoi? Pourquoi je veux pas cet objectif-là? Pourquoi? Je ne veux pas valider l'objectif. Oui, c'est bon. Waouh, on a fini. attendez, attendez. Je veux l'objectif de follow, moi. Là, là. Je me disais que je faisais ça. Ok. Ok. Valider l'objectif. Voilà. Ok. Oh, c'est trop mignon. Le petit bébé piaf piaf. C'est la musique. Oh, il chante. Trop mignon. Bon, je me fais trop distraire. On arrête. C'est par où le truc que je voulais aller, hein. C'est là. C'est un peu loin quand même. C'est pas grave, je vais réussir. Ils sont trop mignons, mais oui. Trop, trop, trop. Ok. Est-ce qu'on peut se reposer là? Oui. Est-ce que je vais réussir à monter jusque là-haut? Je pense que je vais mettre... Par contre, j'en peux plus d'entendre les gosses au-dessus. Attends, 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 attends. Non, c'est pas celui-là. Là. Oui, c'est vrai, dans mon épisode sur le tournoi de pêche, le bar commun, j'ai pas eu de chance. Et vous allez voir qu'en fait, ça allait être très compliqué de vraiment gagner le tournoi de pêche. Parce que du coup, il y a le résultat dans la vidéo que j'ai sortie lundi, enfin hier. Et Tirbou, il était à 103,3 cm, son bar commun, et puis c'est quelqu'un d'autre avec un score encore plus haut qu'à gagner, quoi. Oui, oui, j'ai tout trouvé, Eiko, oui. Puis je le fais voir dans la partie que j'ai enregistrée ce matin. Bonjour. Je l'ai déjà trouvé. Arrête.
C'est une blague? Attendez. Attends. Attendez. Ah, mais c'est pas le même. Ah. Ah oui, effectivement, j'étais trop haut, en fait. D'accord, très bien. Bonjour. Ah, mais c'est bien, ça. Ça, ça m'intéresse. J'aime Nox. Ouais. Ouais, parfait. Du coup, on ressort de là. Bisous, Maëla. Merci d'être restée si longtemps. Et puis, au plaisir de te revoir. Bon courage avec le travail. Bisous, bisous. À plus dans le bus, comme on dit. Ok. Let's go! Oh, par contre, c'est ultra rapide. Ok. Ouais. Trop fast. À bientôt. Bisous, Maëla. Bisous, bisous. Ok, et comme je disais tout à l'heure, je sais pas si vous étiez là, mais les vidéos sur Animal Crossing, oui, en fait, c'est un peu mes vidéos de sauvetage quand j'ai pas trop le temps de faire du contenu. Voilà. Ah oui, je regarde aussi, j'étais à combien de pourcents de la carte? Je suis à 199 000 rubis. J'ai rien d'autre à acheter en vrai. Je te vois. Il est en train de faire une sieste. Ouais, je repose. Je te vois. Je te vois, je te vois. Non, on va filmer quand je vais dormir. Non. Mais non, mais ça sert à rien. Regarde, j'ai perdu mon portable avec tous les films que j'avais de toi. Je peux même plus faire le best-of de toi qui dort. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Quelle tristesse. Quelle tristesse, j'ai envie de pleurer. Après, le jette pas en fait. Non, non, je pense que je vais aller voir un réparateur un de ces jours et puis. Bonjour, est-ce que je pourrais au moins récupérer mes photos, s'il vous plaît? Merci. Oh, les photos du gros qui dort, là. Oh, mais non, arrête de dire ça. Les photos du horrible. Mec qui dort. Dis pas ça. Dis pas ça. Complètement toc-toc. Je suis où, là? Ma boule. Je suis là. Ah oui, mais faut voler. Faut que tu ailles au point de départ, là-bas. Le point de départ, il est genre... là. Je mets ce repère là, parce que vous savez, c'est compliqué, c'est loin. Non, pas spécialement, Echo. J'ai joué en vrai pendant genre 3-4 jours. Mais non. Et comme je dis, j'ai pas vraiment de temps avec le travail et tout. Puis New Leaf, on va dire que j'ai déjà fait ma ville en fait sur New Leaf. J'ai déjà tout rempli, ma maison, tout ça. Non, j'ai pas forcément besoin de continuer à jouer. Même si je veux faire le 100%. Voilà. Yeah. On va bientôt pouvoir aussi mettre tout au maximum niveau Korogu. Je sais pas si vous saviez, je pense que oui, les gens qui ont joué. Il y a un gros Korogu qui peut faire agrandir notre espace de stockage dans l'inventaire. Et je crois que j'y suis presque à tout avoir. Pas besoin d'avoir les 900 Korogu, il me semble. Donc c'est plutôt bien. Est-ce que celui-là je l'ai eu? Non, je l'ai pas eu. Pourquoi je l'ai pas noté celui-là? Bah dis donc. Ok. Hop. Je suis jamais allée là. Bizarre l'ambiance ici. Os de dragon. Il y avait un quatrième dragon. Triste. Il est mort. Il est où, Bill? Attendez. Le Korogu, il est... l'île... Lift Rock. Under the Pill. Hein? Ah oui, d'accord. Très bien. Yeah. Sur la carte mémoire, Animal Crossing GameCube, qu'on t'avait offert, tu as gardé la ville. Oui, bien sûr, j'ai fait la vidéo, que vous avez sûrement vue. Et non, non, je l'ai gardée. Parce que, je sais plus, oui, Victor, c'est Victor, mon habitant que j'adorais, qui est parti là-bas. Donc je veux pas détruire la ville, parce que sinon j'aurais plus Victor. Bébou Victor. Je sais pas. Mais il faut vraiment que j'en fasse une vidéo Animal Crossing GameCube. J'ai vraiment envie d'en faire une.
Et je crois que les dernières fois où j'ai filmé ma GameCube, c'était genre avec mon appareil photo. J'ai filmé ma télé lorsque je jouais à la GameCube. Faut que je contourne ça, j'ai pas envie de me faire attaquer. Petit verre d'eau ? Non. Vas-y toi si tu veux. Ouais. Je vais faire un seul aussi. Ok. Je vais pas en verre. Non mais vas-y, non mais c'est bien pour que tu sois en forme pour manger. C'est important, c'est important d'être en forme pour manger. En vrai tu peux hein, t'as trois quarts d'heure pour faire dodo. Fais une petite sieste. Pauvre Quentin. Il est tout le temps fatigué. En même temps, il se lève à quelle heure? 5h30. Ça pique 5h30. Puis il a le super pouvoir de s'endormir quand il est assis, donc... Non, m'attaquez pas. Attendez, j'ai un cheveu dans l'œil, ça fait mal. Alors, en fait... Il faut un boîtier pour pouvoir transformer. Vous savez, pour la GameCube, pour pouvoir avoir l'image et le son sur la télé, il y a les trois prises, jaune, blanche, rouge. Et en fait, il faut un boîtier qui convertisse ces trois-là en HDMI. Et j'ai acheté un petit boîtier qui coûte 20€ sur Amazon. La qualité, elle est bon. Passable, mais ça enregistre. C'est plus joli de toute façon que de filmer sa télé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce boîtier-là, bah, je crois qu'il est en train de rendre l'âme, parce que j'ai essayé de faire ça aujourd'hui, de l'enregistrer chez Quentin. Et il faut un Elgato aussi, j'ai pas précisé, mais le petit boîtier qui est converti en HDMI, il faut le brancher à l'Elgato. Ouais, c'est ça. Et bon, il y en a qui coûtent plus cher, mais j'ai pas forcément envie d'investir en ce moment là-dessus. Donc ça me convenait en fait, le petit truc à 20€. Sauf que la qualité est très très caca. Et j'ai l'impression qu'il fonctionne plus, donc pas terrible. Mais du coup j'aimerais bien réessayer, parce que toutes les fois où j'ai utilisé ce petit boîtier, c'était sur mon PC portable et pour faire un live. Donc je vais réessayer sur mon PC à moi, parce que ça se tombe, s'il y a un souci d'encodage. Parce que c'est marrant, parce que suivant le PC sur lequel est le Elgato, je trouve qu'il y a toujours un souci en fait. Il y a toujours des particularités et tout. Donc ça se tombe, sur mon PC ça fonctionne, mais sur ce PC là ça fonctionnait pas, parce qu'il n'y avait pas un petit paramètre qui n'est pas comme sur le mien. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu cocasse ce genre de choses. Voilà. On va laisser celui-là. Ah, on passe à la neige. Sauf qu'on va avoir froid. C'est quoi qu'on utilisait pour se réchauffer? Je vois rien en fait avec ma caméra. Bonjour. C'est le truc oiseau. Mais il est où le truc oiseau? Ah si, je l'ai trouvé. Il est là. Ok. Ok, donc il manque celui-là qui est là. On le voit de là ou pas? Je sais pas de combien de korogons on a avancé, mais je trouve que ça va. En fait, on en fait souvent une trentaine en live? Une quarantaine? Non, 20, 30? Je sais pas. On en fait entre 20 et 40 par live. Non? Ah, il y en a plusieurs. Ah, super. Il y en a un de chaque. Alors toi, tu vas te calmer, toi. Ah, bah t'es coincé. Quel dommage. Ok. Ils sont où, les autres cailloux? En vrai, on n'y voit vraiment rien. Hein. C'est vraiment la tempête de neige. J'aime beaucoup quand même l'environnement de Breath of the Wild. Je trouve ça cool. Là, il y en a un. Ok. Ouais, comme je vous ai dit, j'avais vraiment des grosses appréhensions sur Breath of the Wild. Mais au final... Bonne surprise. Agréablement surprise. Oh là.
Ok, j'ai perdu ma... mon épée. Ah. Ok. Ouais, j'ai hâte de voir les let's play en tout cas sur le nouveau jeu. Tears of the Kingdom. Les trailers ont l'air d'être bien. J'ai pas compris le... Je ne spoilerai pas sur l'histoire, mais j'ai pas tout compris en vrai. De tout ce que j'ai vu, j'ai pas compris. Mais bon, après c'est qu'un trailer, hein. Justement, on découvre pendant le jeu. Un mot en haut. Ma télé ne les a pas. Justement, la télé, les télés, ils les ont plus, mais t'as ça. Attends. Attendez. Vous savez quoi? Dans mon sac à dos pour venir ici, j'avais une Wii, une GameCube et une Switch. Hop. Je fais attention. Ah mais non, mais ça c'est ma Wii, ça c'est ma GameCube, attendez. Ça. Pour le connecter à ma télé, pour... c'est ça en fait. Vous voyez cette prise là? Ça c'était la prise des magnétoscopes aussi dans le temps. Voilà. Donc tu branches le fil de la GameCube là. Et ça tu mets ça sur la télé. Après ça c'est trouvable, hein, pas forcément qu'avec une GameCube. Et le petit boîtier que je vous dis, c'est ça. Donc là pareil, il y a les fils, les prises. Et il faut brancher un chargeur de portable et brancher sur un secteur. Mais malgré ça, je crois que... J'ai failli me prendre un coup de matraque, mais ça va. Dans le temps. J'aime pas dire dans le temps, mais c'était comme ça. Hein. Qui utilise encore un magnétoscope? Oh là là. Raté! C'est dommage. Qu'est-ce que c'est dommage. Mais du coup, j'arrive pas à voir où est le dernier truc de Korogu, ça m'énerve. De rien, Tao, t'en fais pas. Oui, c'est ça. Elle est en train d'expliquer. Ok, je vais l'attaquer. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais par contre, il est où, le petit caillou? Le petit caillou. Where are you? J'espère qu'il est pas loin. J'ai cru qu'on allait tomber sur le renard, mais non. Bonjour, il est là. Ok. Non? Ah non, ça, pas du tout. Bonjour, je cherche un petit caillou. Est-ce que vous l'avez vu? Non, d'accord. Bonjour. I'm looking for the petit caillou. Where is the little caillou? Je vois pas pourquoi il serait en bas en fait. Oxydable. Bah dis donc. Ah. Alors peut-être. Are you the little caillou? Non, c'est juste des gemmes nox. Ok, d'accord. Link. Ok. C'est dur, hein. Puis l'écran est vachement sombre. Oh, mais je suis aveugle, non? Je crois que je suis aveugle, en vrai. I think I'm just aveugle. C'est moi, ça, c'est Reset? Non? Ça, c'est Reset, non? Regardez, ils sont plus. Arrêtez, il y a combien de cailloux, là? Ça, c'est Reset. What the fuck, les amis? What? Pourquoi j'ai été trop loin? Ça, c'est Reset. Ok. Bizarre l'ambiance ici. Du coup, un là. Ok. Mais... le dernier... c'est horrible. Coucou Ciboulette, comment tu vas? Ça fait longtemps. Merci de passer, de faire un petit coucou, c'est gentil. C'est gentil comme tout. Oh bah j'arrive pas à le trouver, hein, c'est horrible. Ah, attendez. Une là,
Une dans les cailloux. C'est celle dans les cailloux où on a été. Attendez, j'ai du mal à voir le POV là. Attendez. Ça descend par là. Donc il y en a un là. Ok, je l'ai trouvé celui-là. Celui-là des cailloux blancs, je l'ai trouvé. Et le dernier, il est... J'ai du mal à me repérer. Il serait... Attendez. Il regarde par là. Attendez. Ah, j'ai du mal à me repérer, c'est terrible. J'ai enfin fait le repère Yegas et Vanaboris. Vanaboris, je trouve que c'est plus difficile à faire. Vraiment. Attendez, je me mets au même endroit que la photo. Genre là. Il y en a un là, ok. Il y en a un... Celui-là, on l'a eu. On est d'accord. Genre de ce qu'il m'envoie, en fait, il m'envoie là. Mais c'est trop dur. Bah, il est où? De toute façon, ça fait 50 fois que je passe devant, mais... Non, bah peut-être c'est peut-être celui-là le dernier, à part si ça a tout reset. Non, je pense qu'on est bon. Bah dis donc, on a eu du mal, hein. Ah, enfin. C'est vrai? Oh. Ah, j'aimais bien, moi, justement, cette partie où il fallait être discret chez les Yegas. Je trouvais ça sympa. C'est le genre de gameplay que j'aime bien. Bon, écoutez, il est 19h. On a rendez-vous à 19h30. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour le live. Je sais pas combien de Korogu on a fait. Une petite vingtaine, on va dire. C'est à peu près ok. Je vais sauvegarder pour pas perdre. Et oui aussi, on avait demandé, je suis à combien de pourcents? Attendez, je vais cacher ma webcam. Je suis à 56,24%. Plus de la moitié. C'est encourageant, on va dire. Voilà, voilà. Hop, je vais mettre ma Switch en veille. Comme ça. Je commence à avoir mal aux jambes, comme si que je grandissais, mais non. Je grandis plus depuis longtemps. Hop. Allez, on va mettre ça. Animal Crossing. Vous allez faire quoi ce soir? Vous avez des choses de prévues? Moi par le restaurant, rien. Ça va demain, j'ai encore demain pour me reposer. Je pense que je vais tourner une vidéo demain du coup. Et puis c'est chouette. J'aime bien dormir le matin. C'est trop bien. J'adore dormir. J'adore dormir. Je vais dormir. Repos aussi, c'est bien ça. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde. Bye, à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous.